Palestinienne, par les yeux, et le tatouage. Palestinienne, par le nom. Palestinienne, par les rêves. Et le grief. Palestinienne par le châle. Et la démarche. Et le corps. Palestinienne par les mots. Et le silence. Palestinienne. Par la parole. Palestinienne de naissance et de mort. Nous datons nos jours avec les papillons des champs. Nous avons descendu les marches de nos jours. Nous avons escaladé la partie cachée du chêne. Nous avons laissé l'absence à nos illusions. Et nous sommes allés demander à la poésie de renouveler la terre pour notre inspiration. Elle nous a fermé la rose des vents. Elle est devenue l'identité de nos idoles. Nous écrirons pour ne pas mourir. Nous écrirons pour nos rêves. Nous écrirons nos noms pour qu'ils désirent leur origine dans le vent de nos corps. Nous écrirons ce qu'écrivent les oiseaux dans les airs. Et nous oublierons les marques de nos pas. Nous passons par le vent de nous le Messie, Judas et le chroniqueur de nos lignages. Nous passons sur terre. Nous ne désirons pas de pierre pour la parole ou pour saluer notre Damas.
Nous avons perdu. Et la poésie n'a rien gagné. Nous avons perdu la vieillesse de nos jours. Palestinienne par les yeux et le tatouage. Palestinienne par le nom. Palestinienne par les rêves et le grief. Palestinienne par le châle et la démarche et le corps. Palestinienne par les mots et le silence. Palestinienne par la parole. Palestinienne de naissance et de mort. Qui me guide au nom d'un sentiment suspendu aux arbres. Comment s'appelle-t-elle? Quel est le nom de cette chose dans la poétique du rien? Pour ressentir la légèreté des mots, j'ai besoin de traverser la pesanteur, mais les mots, lorsqu'ils deviennent ombre murmurante, que je deviens eux et que transparent blanc, ils deviennent moi. Ni patrie, ni exil que les mots, les passions du blanc. Pour la description des fleurs d'amandier, ni neige, ni coton, qui sont-elles donc dans l'ordre des choses et des noms? Si quelqu'un parvenait à une brève description des fleurs d'amandier, la brume se rétracterait des collines et un peuple dirait à l'unisson, les voici, les paroles de notre hymne national. Attention à ta tension aussi. Attention, attention à l'attention des mots. Attention à l'attention envers les autres. Attention, attention à l'attente aussi. Car l'attente est en tente. L'attente est en tente aussi. Car l'attente est en pente aussi. Et la pente est glissante aussi. Et quand tu l'as, et quand tu l'as, et quand tu la tiens, et quand tu l'as, et quand tu la tiennes, alors tu t'étonnes. Tu t'étonnes, tu frissonnes, tu frr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 
Tu questionnes, tu déconnes, tu bidonnes, tu bonbonnes, tu sonnes, et t'attends qu'on t'ouvre, t'attends qu'on t'entende, t'entends? Tu m'as oui là, oui, tu me oui, hein, tu me oui bien là, oui, oui, ou tu me non? Tu me non assis maintenant, tu me oui. Ah oui, c'est bon, et j'en jouis, comment tu me oui, comme ça, ah oui. On s'approche pas. D'accord? Alors, pile, je joue mon sketch et vous faites du silence. Passe, je ne fais pas ça. Pas comme ça. Comme tout le monde, comme vous et moi, on l'appelait Aboudehnaz tranquille. Appelé aussi Naboufi. À l'époque, il n'était pas encore arrivé. Il était en manqueux. Sans amis, sans famille, manque de repères. Voilà qu'un jour, une voix venant de l'au-delà de l'Orient le plus obscur. Il fut allumé. Allumé à son extrémité de l'intégration. La voix de l'Église. Et pour il y a le paradis et tu auras des houris. En bagage, tu auras des houris. Aboudehna fut illuminé. Il s'agenouilla devant son idée, son idole, l'aimant de toute son âme. Mais chut! Et voilà! Messieurs, mesdames, l'intégrisme. La tumeur, quand tu l'as, tu l'as. Comment faire disparaître un intégriste sans prendre aucun risque? Eh bien, messieurs, mesdames, aujourd'hui, je ferai disparaître l'intégrisme où qu'il soit, par un tour de magie exceptionnel. Faut y croire très fort. Rassurez-vous, j'ai mon cahier de magie. Comment faire disparaître un intégriste sans prendre aucun risque? Hésite aux éditions Jihad de France. Je vais donc demander à l'assistance un fleur de n'importe quelle religion, n'importe quelle nationalité. Oui, c'est ensemble que nous pourrons faire disparaître l'intégrisme, où qu'il soit, quel qu'il soit. Oui, il ne passera pas par nous, il nous faut le briser avant qu'il nous les brise. Donc, j'aimerais un foulard de l'assistance, un foulard, qu'importe la religion Hermès ou Tati, qu'importe. Allez, un foulard, oui madame, merci. Voici donc, monsieur, dame, un foulard laïque, sans tendance partisane. Yolo. Je vais donc introduire ce phénomène à rien et le faire disparaître à tout jamais. Il s'agit bien entendu d'illusion. Vous pouvez croire très fort. Oh, bras, cadet. Oh là, ça fait. Oh là, il est très fort. Ah, ah là, ça y est. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai répété mon tour. C'est qui c'est un couleur de contrefaçon? Messieurs, dames, je crois que j'ai raté mon tour. J'ai pu sauter une page. Je m'excuse, donc je n'ai plus. Mais s'il vous plaît, je peux vous échanger ce mauvais tour contre une hypno. La dernière fois, je l'ai pratiqué avec succès sur un animal invertébré, la merguez. Messieurs, dames,
bon musulman, il ne me reste plus qu'à l'écraser et à me voiler la face pour ne pas la perdre. Alors moi je suis arménien, mais je suis arménien de Marseille. Mes parents viennent de Turquie. Et j'ai noté quelques similitudes entre les Kabyles et les Arméniens. Notamment que ce sont des peuples de montagne. Et vous connaissez la particularité des montagnards? Vous savez pas? Ils aiment beaucoup les jolies filles. Alors je vais vous chanter une chanson d'amour pour changer un peu. Et après, ça sera une chanson qui parle de la guerre. C'est marrant, non? L'amour et la guerre.
cyclope. Thank you.
avec nous en Irlande. On est par contre d'une association au Kremlin, mais je suis venu voir la première fois de numéro 1. De là, je suis venu voir. Je suis venu à Khatar et Nakara. Il ne faut pas qu'on oublie, nous sommes au mois d'avril. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous ont marqué le 20 avril 80 et le Soutenoir le 2001, le printemps là. Alors, donc, il ne faut pas qu'on oublie ça. Alors, donc, je vais profiter de l'occasion, mais malheureusement, je ne peux pas satisfaire tout le monde, je ne peux pas m'exprimer dans une autre langue que ma langue maternelle, le cabine. Alors, donc, j'ai joué un morceau qui s'appelle Dewi, pour ceux qui ne comprennent pas la langue forcément. Dewi, ça veut dire soigner. Soigner une population, soigner un comportement. J'espère que vous sortirez soigné d'ici. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment spécial pour moi. Je joue pour mon papy. Il est en haut. Et j'espère qu'il est fier de moi.
est dans la bonne humeur. Pourtant, ce jour-là, le ciel était bleu. C'était des clients d'un magasin très cher, venant faire des achats comme d'ordinaire. Pourtant, ce jour-là, le ciel était bleu. Aujourd'hui, si je partage mes écrits, c'est pour lutter contre la barbarie. Parce que ce matin, le ciel était bleu. Passant, souviens-toi, le ciel devient gris quand l'homme succombe à la folie. Pascal Guézou. Je hais. Ne me demandez pas ce que je hais. Il y a des mondes de mutisme entre les hommes et le ciel veut sur les abîmes, sur l'abîme et le mépris des morts. Il y a l'humour entrechoqué, les lèvres sans visage, se parjurant dans les ténèbres. Il y a l'air prostitué au mensonge et la voix souillant jusqu'au secret de l'âme. Mais il y a le feu sanglant, la soif rageuse d'être libre. Il y a des millions de sourds, les dents serrées. Il y a le sang qui commence à peine à couler. Il y a la haine, et c'est assez pour espérer. Ça s'appelait les dents serrées. Et puis, j'ai pensé à l'entête d'un livre de Jules Vallès, L'Enfant. Et Jules Vallès dédie au lecteur de son roman à tous ceux qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leur maître ou rossés par leurs parents. Et tout en regardant quelques photos de barbares du passé ou de demain peut-être, qui sait. J'ai pensé à que les barbares, ils étaient plus près qu'on ne le croit. Alors, je vous invite à regarder ces photos. Vous les faites passer le temps de mon intervention. Parce que la barbarie écoute une porte. Elle est là, tout près, elle rôde. La barbarie écoute aux portes. Elle est là, tout près, toute prête à surgir, à rugir, à agir. La barbarie est à nos portes. Elle s'avance, savante, ignorante, puissante, sanglante, dévorante, rampante, galopante. La barbarie écoute aux portes. Prête à bondir, elle est là, pas loin. Suffit-il d'un pacte républicain, la main sur le cœur pour lui faire peur? Charlie, pas Charlie, fini les délits, fini les charniers, tous amis, main dans la main. Main dans la main, sur le cœur, à l'ouvrage toujours remis sur leur métier. La barbarie écoute aux portes, elle est là, pas loin. Monstre d'État. Mais demain! Bonsoir à tous, Jésus Fleuwen. Donc, la question de Moussa, elle est claire. Alors, la réponse, elle sera encore plus claire. Le fait d'avoir toutes ces personnes présentes dans la salle. Pour quelque chose qu'on n'ose pas appeler spectacle, non, soirée, je ne sais pas, on a dit que c'était une soirée. D'abord, il faut se rappeler une chose, l'initiative, elle remonte quand même au mois de septembre,
Il s'est passé quelque chose en Kabylie au mois de septembre. Est-ce que vous vous en rappelez? Non, c'est triste. Beaucoup. C'est triste, hein. Donc, la petite Suisse qui était la Kabylie, n'est-ce pas? Vous avez entendu cette expression de petite Suisse pour la Kabylie? Oui. Eh bien, c'est superbe. Donc, en septembre, il y avait un événement qui nous a tous marqués. Alors qu'avant, on était vraiment fiers de se dire Kabyle, oui, et voilà que depuis exactement 97, on a tout fait pour que le terrorisme soit transféré vers cette région. Et donc en septembre, rappelez-vous ce qui s'est passé. Après, évidemment, plusieurs assassinats, donc c'était la décapitation, c'est un mot qui est très fort. D'Yves Bourdel, n'est-ce pas? Exact. Donc avant Yves Bourdel, je vais vous dire quelques noms, j'espère que vous allez vous en rappeler cette fois-ci. Alors, est-ce que vous connaissez Katia Bengana, par exemple? Oui. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent dans la salle, non? Oui. Il y en a qui la connaissent sur? Oui. Donc Katia Bengana, c'est cette jeune fille qui, en janvier 1994, a été tué à bout portant par un terroriste, parce qu'on n'ose plus maintenant dire islamiste, donc on va dire terroriste, lui. Elle avait 17 ans, lycéenne à Meftar, et bien sûr, comme d'habitude, on tue à Alger et au Nanterre, vous savez où, n'est-ce pas? On tue à Alger et au Nanterre, souvent, malheureusement, en enterré, mais on enterre encore. En Kabylie. Donc Katia Bengana avait 17 ans, tuée à bout portant parce qu'elle refusait tout simplement de porter le hijab. Elle a refusé d'obéir aux injonctions des islamistes qui la voulaient donc porter un hijab et qui la voulaient donc mettre de vêtements occidentaux. Mais après Katia et avant elle, il y en a eu beaucoup qui ont été assassinés. Donc ce soir, il faudrait quand même qu'on se dise une chose, c'est que on ne doit jamais oublier ceux qui ont été tués pour que nous soyons là ce soir, pour dire non au terrorisme, pour dire non à l'islamisme, et pour que nous continuions de nous battre pour la modernité, pour l'émancipation de la femme, et pour nos libertés, et pour celles évidemment de nos enfants, qui sont notre avenir. Voilà donc, merci d'être venus très nombreux. Merci à tous. Je viens d'entendre le nom de Katia Bengana, je suis vraiment très content en fait. C'est vrai qu'elle n'est pas uniquement face à mort, sa tragédie, elle n'est pas uniquement connue en France, aussi en Angleterre, partout, cette jeune fille. Donc dernièrement on a essayé de faire des choses pour elle là-bas, je crois qu'on va lui faire bientôt un concert en Kabylie. Et je voudrais juste c'était une grande fille courageuse qui a affronté le terrorisme. Je voudrais lui dire... Merci Katia pour ton courage. Avant de vous chanter les chansons que vous connaissez le plus de moi, je vais vous chanter un petit bout de mon histoire. Il est en grand temps qu'on en sorte. Le premier jour on est sauvé par un tas de gens cultivés qui vous ouvrent toutes les portes. Et qui font des pieds, qui font des mains pour que tout le long du chemin l'amitié reste pas d'être mort. Voyez, voyez, voilà vous en éloignez. Vous y éliminez, vous voilà chenille. Vous guenillez, vous voilà une personne voilée. Vous
Le second jour, quand on arrive, on sait pas ce qui nous arrive, ni que l'ascenseur est en panne. On est propre, on est bien sapé, on sait pas qu'on va être attrapé à l'ombre de Notre-Dame. Et les yeux pleins d'étoiles pourtant, on fait des rêves en écoutant ceux qui n'ont pas dépassé la douane. Oui, oui, voilà pour un oui, des élites, et voilà chenille, et guenille, et soirine, pour sa noirine, des élites, et voilà chenille, et guenille, et soirine, pour sa je compare la belle étoile. On m'a dit
c'est pas possible. Normal, son papa, c'est par ici. Le soleil traverse les frontières.